cherchais des gens. Tu as parlé? Tu as parlé? Oui. Allons-y, allons-y. Tu dis oui là. Pour que ton... Hein? Il n'y a pas de micro, c'est ça, non? J'ai mal, j'ai hein? J'ai mal, on mange l'homme. De toute façon, on mange poulet là. Comment ça, tu manges l'homme? Mm-hmm. Tu manges ça comment? Je préfère aller à la tu préfères sauce gnagna? Tu n'as pas peur de Dieu. Dieu a créé l'homme, toi tu manges sauce gnagna. Et ta fille, ta maman, elle n'a qu'à parler aujourd'hui là. Si tu ne parles pas, demain tu prends tes bagages et tu vas à Upoyo. Ça va là? Tu viens de Upoyo, parce qu'il y a deux Upoyo à Soubré. Upoyo Bakou. Je suis là où de Miyagi là. Tu es prête? Tu es prête? Okay. Tu as fait quoi? J'ai ma petite soeur. Hein? J'ai tué ma petite soeur. Parlez fort, je vous entends. J'ai tué ma petite soeur pour prendre la sorcellerie. Tu as tué ta petite soeur pour prendre la sorcellerie, ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai la sorcellerie? C'est quelqu'un que j'ai donné. On t'a donné, puis on t'a dit de donner quelqu'un, c'est ça? Parce que j'ai pas compris. Donc on voit ce qu'elle a entendu. Donne-moi une chérie, ma soeur. Parlez un peu fort. Mon oncle m'a donné là. Hein? Il dit de donner quelqu'un d'abord avant qu'il me donne ça. Oui, mais pourquoi c'est toi, il est venu demander quelqu'un d'abord? Je vois. Voilà, maintenant t'explique bien. Bah, tu es sorcier, l'oncle est venu dire, voilà. Donne-moi viande. Voilà. Et tu as donné la viande. Voilà. Et c'était qui? La petite soeur. Mmh. Et tu l'as donné? Mmh. Où l'avez mangé? Mmh. Toi, t'as mangé quelle partie? N'importe quelle partie, on mange pas n'importe quelle partie. Tu as mangé quelle partie? La quand moi je mange poulet, c'est les ailes, les pattes. J'aime pas trop où il y a trop de chair. Madame, pour ta soeur, c'est quelle partie, morceau, tu as mangé? Le morceau de celle-là, et puis la mère. Ça n'a pas de nom? Ça n'a pas de nom? Ça n'a pas de nom, morceau là? La mère. Ah! Tu parles bien français. Toi, mais ta preuve vient de tes mains, on te donne. Hein? Ah, c'est ce que tu aimes. C'est dangereux, hein. Et tu as donné qui? Tu sais que c'est pas moi qui t'ai envoyé ici, non? Tu as quitté où? Voilà, parce que ici, les gens viennent d'eux-mêmes pour se faire délivrer de la sorcellerie. Il faut que je précise ça très bien. Heureusement qu'on a un centre où on peut délivrer les gens. Amen. Parce qu'avant, les gens ne pensaient pas qu'on pouvait délivrer de la sorcellerie. Amen. Hein? C'est toi-même qui as demandé. Je dis à mes enfants de chercher quelqu'un pour m'amener pour que je sois délivré. Et puis tu as discuté avec moi dans le bureau là. La peur. Mais on dit que tu es malade. Je suis jamais venu ici. Hein? Mais on t'a frappé pour avoir peur. Est-ce qu'on t'a frappé? Non. J'ai seulement dit que maman, tu es sorcière. Et puis tu dis non. Et puis je dis sors de mon bureau. Ou bien okay. Maintenant tu avais peur de quoi? Tu avais peur de quoi? J'avais peur de vous. Oui, pourquoi? Pourquoi tu as peur de moi? Non, attends, écoute. J'ai des cornes ou bien? C'est cornes qui est sur ma tête. Tout avant ma fille, tu as peur. Pourquoi tu as eu peur? Jésus. Ah, j'avais Jésus. Oh, dans le bureau, tu dis non, je vais à sa main de Dieu, je suis chrétien. Je dis qui devant moi, allez, qui devant moi? C'est pas toi qui dis tu vas à sa main de Dieu. Que tu es chrétien, tu pries. Je dis nous, ça ne nous dit rien, ça ne nous influence même pas. Parce que nous, on délie les pasteurs sorciers. Amen. On n'en parle pas, on reste dans le secret. Amen. On parle, on fait, ce qu'on appelle la récupération, et puis le monde va attaquer l'église. Donc on se tait. Et les choses, on ne parle pas dessus, parce que c'est le jour où vous voyez un pasteur en train de parler mal d'un pasteur, c'est un sorcier. C'est ce qu'on appelle la récupération. Le monde attend que ça pour nous attaquer. Or, vous n'avez jamais vu un imam parler mal d'un imam. Jamais. Et ce qui est intéressant encore, c'est que dans nos corporations, là, il y a des prêtres. Vous n'avez jamais vu un prêtre catholique entendre mal parler de son collègue prêtre. C'est chez nous, on est évangélique, on a Jésus, on est bien. C'est chez nous, il y a les sorciers. Ben oui. Moi, je ne peux pas aller parler mal d'un pasteur. Ce n'est pas mon devoir de parler mal d'un pasteur. Mon ministère, c'est d'attaquer. Ça t'a attaqué le diable. Voilà. Si lui est dans le faux, il finira. Dieu finira par le dévoiler. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai prié pour que Dieu le dévoile.
que de me mettre là, tu donnes une caméra en train de le dénigrer. Je vois les gens en train de le dénigrer. Lui n'est pas de Dieu, il n'est pas de... Mais toi, toi qui parles, on dit de ne pas juger. Voilà. Donc nous délivrons les pasteurs. Il y a des gens, vous voyez, parce qu'on peut ne pas être délivré de la sorcellerie puis devenir pasteur. Et puis quand tu vas à l'église, tu vois tes fidèles comme des moutons, faut qu'on mange. Jésus ne mange pas ses brebis, toi tu veux les manger. Il fait michoui, tu veux faire sauce, pépé soupe, avec acheté pour manger, pour manger tes fidèles. Et puis nous on les délivre. Parce qu'eux-mêmes, quand ils regardent, ils ont l'impression qu'ils sont sorciers. Ils viennent nous rencontrer si on prie pour eux. Mais jamais on n'est pas de ça. On ne dit jamais non. Un parcel là-bas, moi je pense qu'il est délivré. Non. Parce que j'ai dit, j'ai peur de la récupération. Le monde n'attend que ça pour dénigrer l'église. Or l'église, le témoignage, le fait que tu sois, tu dis que tu es pasteur, j'ai déjà peur de l'image de l'église. Donc je n'attaque pas. C'est pour ça qu'il t'a dit, ça ne me ferait pas. C'est dans l'église même, il y a beaucoup de sorciers. Oui. Quand on ne parle pas de quelque part, ils sont là-bas. Vous avez vu le dimanche passé là, la libérienne là, son pasteur est venu. Elle a dit au pasteur, pourquoi tu ne parles pas des sorciers à l'église ici? Pourquoi? Ne parle pas des sorciers, pasteur. Les sorciers, laisse-les. Oh, c'est elle-même qui est la sorcière de l'église. Le pasteur voyait un peu clair, elle a cassé les yeux du pasteur. Elle dit, bon, il ne faut plus voir. Le pasteur voit plus clair. Elle prend l'église, elle fait Kanimba. Elle met en bas d'elle. Danus, excusez-moi. C'est ce qu'elle a dit. C'est sorti de la propre bouche. Donc le pasteur est là, et puis maintenant vous êtes à l'église, vous êtes dans le cuit des sorciers. Tout le monde est étouffé. Tu penses que tu es à l'église? Oh, tu es dans l'anus d'une sorcière. Tu es étouffé. Tout est bizarre sur toi. Quand on dit Jésus, mais toi-même, là, tu ne vois plus. Amen. Je vous dis, il faut être très prudent. J'ai dit aux gens, est-ce que vous savez où partir là? Si on ne parle pas de sorcellerie, j'ai dit à mes collègues pasteurs, j'ai dit, quand vous ne parlez pas de ça, c'est que vous approuvez ça. Qui suis là en Afrique ici là? Dans quel coin il n'y a pas sorcier? Dans quel coin? Or, c'est le problème de tous les Africains que nous sommes. Et vous ne parlez pas de ça sous prétexte que ça va diviser les gens. Bon, en diviser et puis manger, tuer. Vous choisissez quoi? Parce qu'eux, ils mangent. Et vous pensez que ça doit. Quand on parle de ça, ça divise. Or, les sorciers, quand vous parlez d'eux quelque part là, ils quittent le coin. Quand vous commencez à les attaquer, ils ne viennent plus là-bas. Parce que les premiers à narguer là, c'est honteux. Ils aiment bien essayer. Moi, on m'a trop essayé, c'est plusieurs fois. Comme plusieurs fois les sorciers, chaque jour, je n'ai jamais tué. La dame libérienne là, elle a mis piège ici. Elle m'a tendu piège pour me manger. Il a fait la grâce de Dieu. Il a fait la grâce de Dieu. Donc, quand on ne les attaque pas quelque part, ils s'installent. Elle est venue, elle dit non, je m'en vais à l'église. Moi-même là, j'ai pris. J'ai dit, vraiment, mamie, ça là, ça ne m'effraie pas. C'est vous-même là qui êtes très dangereux. Mamie, donc tu es sorcière. Oui. Tu as donné ta. C'était d'où? Hein? Oui. Allez, sois gnagna. Ok. Elle dit, tu es plus dangereux, bah, tu prends une sauce qui te soigne. Tu prends une sauce qui te soigne là-bas. Donc tu peux avoir beaucoup de force pour manger. À part ta soeur, je t'écoute. La petite soeur. Après, c'est la grande soeur. Son sang. Tu as fait quoi? Tu es vampire. Tu as fait quoi? Comment tu as fait? Comme Bissap. Comment tu as fait? Mais dis-moi comment tu as fait? Comment ça, comme ça? Elle était où? Tu l'as vu où? Tu allais boire son sang? Hein? Ah, vous avez compris? Qui a compris? Je pense pas que les gens, tout le monde a compris. Tu dis quoi? Vous étiez quoi? Nous deux, on était couchés à Sam. Hein? On était couchés sur même Nat. Même Nat? C'est pas lui, hein, c'est Nat. Vous étiez sur Nat? Nous deux, on était couchés à Sam. À même Nat? Tu rentres. Oh, elle veut boire Bissap. Elle a bu Bissap.
Donc elle dormait, c'est ça? Et toi, t'as fait quoi? Donc pendant qu'elle dormait, toi, t'as les mauvaises pensées. Vous comprenez? Je vous ai enseigné ça tout à l'heure, non? Ils sont dans le même, sur la même natte. L'autre, elle est un esprit positif. Or, l'autre, un esprit diabolique. Or, ce qui est en elle, là, c'est ce qui va se manifester. C'est ça, quand vous dormez dans le même lit, non, il y a eu un monsieur, il est bon. Tu sais qu'on est l'esprit qui est dans lui. Pendant que là, tu dors. Chérie, ça va, tu mets ton bras sur lui. Lui, c'est j'abois ton sang. Là, attends, j'ai même ma main sur ton. La nuit, mais il te gère. Il regarde. Elle savait que la Bible dit que celui qui a une femme a eu quoi? Très bien. Non, n'ayez pas peur de dire ça. Il a toujours dit le plus beau cadeau que Dieu a. C'est lui qui croit. Si, si. Je répète, le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est la femme. Or, il y a quelque chose qui est bon en vous. Vous savez ça au moins? À cause de vous, l'homme, garçon peut quitter à 2h du matin, se promène dans clôture. Ici. Va. Il a peur. Oh, à cause de toi, il peut y rester. Plus il est caché, moustique. Dans les noix, dans clôture. Il n'a plus peur des serpents. Il n'a pas peur. Il est, même brigand n'a pas peur de ça. Il veut. Ce qui est là-bas, là, il cherche ça. Donc, y a, oui. Tu ne vas jamais voir une femme en train de tourner derrière un garçon. Derrière clôture. Non. C'est nous. Ce qui est en vous, là. Ça nous fait courir. Donc, mais c'est vrai. C'est vrai. On dit amen. Amen. Or, spirituellement, vous avez tout ce qui est bon. Donc, le monsieur, s'il est possédé, il a un esprit, il prend la chance là, puis il garde ça. Il va faire médicament ça. C'est pour ça qu'il réagit la plupart des crimes rituels, c'est les femmes, les gens prennent. Ou les enfants. Je vous ai bien enseigné. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Voilà. C'est vos chances là qu'ils prennent. Prends vos chances. Au lieu de prendre lui sa chance, parce que les gens, eux, ils prennent leur chance et puis ils raccourcissent leur vie. Comme tel que les bruteurs là. Voilà. Ce qu'ils devaient avoir, on leur donne ça un coup. Ils sont contents. Mais ils meurent mal. Pour éviter ça, ils préfèrent prendre une copine, prendre la chance de la copine. Hein, et puis la fille meurt mal après. Parce que vous les femmes, il y a trop de bonnes choses en vous. C'est pour ça que quand quelqu'un est avec toi, là, il faut savoir s'il est bon ou il est mauvais. S'il est mauvais, il va tout prendre en toi pour gâter. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Elle dit, elles étaient tous deux sur la natte. Sa soeur n'avait pas de mauvaises pensées. Or, elle, c'est une buveuse de sang. Pendant qu'elle dort, l'autre, c'est son sang qui l'intéresse. Elle s'est dit, la nuit, là, j'ai bois sang, là. Ah, il y a longtemps, il n'y a pas bu ça. La haute trahison. Tu marches avec quelqu'un, tu penses qu'elle est bien. Oh, la personne est. C'est la personne est dangereuse. C'est ça qu'il fait très attention. Oh, elle s'est dit, c'est sa soeur, non? C'est là est venu le problème. C'est pour ça que nous, nos chaînes de télé, là, nos trucs, c'est instructif. Quand vous regardez ça, ça vous instruit. Ça vous apporte beaucoup de choses. Et depuis que les gens regardent ça, la plupart de ceux qui regardent ça, ils sont devenus grands sur le plan spirituel. Ils ont grandi. Ils ont commencé à comprendre d'où est venu leur problème. Vous avez vu, non? Pourquoi il dit, je ne fais pas confiance à tout le monde? Amen. Amen. La confiance, il mérite. Je dors avec toi, il me l'a en bonne santé, ok. Je suis avec toi, mais ça prospère. Il peut te faire confiance. Non, viens commencer, il y a qu'à te faire confiance. Je suis malade ou bien. Il m'a donné drogue. Donc, tu dormais avec elle. Elle dormait, elle ronflait. Et toi, tu as fait quoi? Ah ouais. Comment tu as fait toucher son sang? Ah ah. Comment tu as fait? Son cou? Non, épaule. Eh hey, Dieu! Non, t'as pas ici. Elle dit, on est des brins quand même pour la taper. Non, t'as pas. Faut écouter. T'as pas dit, c'est doux. On est bissap. Eh, hey, ils aiment bien ça, hein? Tu as bien bu. Tu vois comme moustique, puis tombe seul. C'est comme ça qu'elle a fait. Donc, tu buvais. On a un bébé qui est en train de. Ah, dit tété. Donc, tu as bien bu. Et tu as vidé le sang.
Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est ennemie. Hein? Français, hein? Elle est devenue ennemie, ça veut dire qu'elle a pris le sang. Or, toi, c'est toi qui as bu. Et pourquoi tu n'as pas dit que c'est toi qui as bu sang? Hein? Hein? Pourquoi? Hein? Mais tu pourrais la sauver en disant ça. Donc tu as bu son sang, elle est morte. Hmm? Et tu as mangé quelle partie? Tu as dit que tu as parlé. Faut pas m'emmerder. T'as compris? Épaule. Avec quelle sauce? Nya nya toujours. Toujours nya nya nya. Tu mets pas sa graine. Tu mets pas tikriti aussi. Tu connais tikriti? Tu connais tikriti? Tu mets pas ça. C'est nya nya. Ok. Elle dit qu'on est tikriti. C'est la meilleure sauce. Hmm? Puis quoi encore? J'ai ajouté la fille qui a fait la prière. T'as fait quoi? Je l'ai envoûté. Quoi? Ah, bon français. J'ai compris envoûté, mais comment tu parles pas fort? Tu as envoûté qui? Ma fille, qui elle a fait la prison. Ta fille? Comment t'as envoûté ta fille? Elle travaillait, et puis je l'ai envoûté. Elle donnait ça à quelqu'un, puis la personne a fui avec. La personne l'a blagué, et puis elle aussi elle a donné, et puis la personne a fui avec. Donc c'est toi qui as créé un problème. Tu as mis un problème sur ta fille. Et puis elle s'est trompée, elle a donné l'argent. Oui. Oh, tu avais préparé ça pour qu'on la mette en prison. Oui. Hein? Oui. Ta propre fille. Mais c'est pas une raison. Va faire chant. Ton village, tu ne peux pas chant. C'est une raison de la mettre en prison. Pourquoi tu ne pouvais pas prendre l'argent là en esprit? Et puis tu permets qu'on prenne l'argent là pour partir ça. J'ai dit, l'argent là, tu ne pouvais pas aller chercher ça en esprit. Hein? Donc vous avez gâté. Il y a trop de paroles là-bas, Zegui. Ne condamnez pas les gens. On a tendance que les gens ils condamnent. Quand ils te voient dans une nation, oh non, 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 non. Lui, il a fait prison, c'est fini. Non, moi, je ne condamne pas d'emblée quelqu'un. J'ai un esprit, j'analyse le dossier. Je me dis, tout peut arriver. Surtout avec la sorcellerie, tout peut arriver. Les sorciers, là, ils peuvent venir te créer tout un problème. Te plaquer une histoire. Et puis, paf, tu peux te retrouver dans une histoire bizarre. Toi-même, là, tu ne peux même plus te retrouver. Regarde, sa propre fille, elle crée une histoire pour que sa fille se retrouve en prison. Sa fille était dans la... Elle faisait quel travail? Donc, elle compte l'argent, elle s'est trompée. Elle a donné beaucoup. C'est ça? Elle a donné beaucoup là-bas. Et puis, elle a fait combien de temps en prison? Hein, 2 mois. Elle dit seulement. 2 mois, c'est pas beaucoup. Elle dit 2 mois seulement. Même une semaine, c'est beaucoup. Prison, tu connais prison? C'est-à-dire, elle ne méritait pas la prison. Et c'est toi qui lui as imposé ça. Hein? Et tu étais contente? Non, non, non. Je réponds à ma question. Tu étais contente? De l'avoir en prison. Hein? Et pourquoi? Non, laisse après. Et tu étais contente de voir ta fille en prison. Tu as fait quoi? Ta confession? Tu dis comme quoi? Ma confession. Tu me poses la question. Non, je n'ai pas bien servi. C'est que tu as fait mauvais, gâté, mauvais. Faut tout dire. Est-ce qu'il t'a dit là-même, ça m'énerve déjà. Donc moi-même, j'ai même plus envie de parler. Faut dire tout. Comment tu peux, toi, être ta propre fille et tu es la base de son malheur? Pourquoi tu fais ça? Ils n'avaient pas, ils sont maudits. Hein? Ils sont maudits comment? Ils ne sont pas mariés. Attends. Faut pas dire tout, mes enfants sont maudits. C'est dit, ils sont maudits comment? Ils n'arrivent pas à travailler. Mais, hein? Donc tu es en train de jouer. C'est moi qui fais mes enfants, ils ne travaillent pas, mais ils sont maudits. Ils ne travaillent pas, ils souffrent, pourtant mes enfants sont bien, je les ai gâtés. Hein? J'ai dit mes enfants sont bien intelligents, et puis je les ai gâtés. Tu les as gâtés? Je te demande. C'est ça, mais non, moi j'ai posé une question. Hein. Moi tu vois là.
J'ai fini avec les affaires de questions. Oh, c'est ce que vous n'aimez pas chez moi. Tu les as gâtés. Comment tu as fait? C'est ce que j'ai réussi, l'autre fille, il a habité là. C'est ce que j'ai fait. Puis, attends. Tout... Qu'est-ce que tu as fait? C'est la malédiction. J'ai lancé contre vous comme ça. Comment tu as fait? Maintenant, quand je suis levé. Tu as mis quoi dans ta bouche? Il ne me donnait pas à manger. Il allait souffrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La malédiction que j'ai mise sur les enfants. Mm-hmm. Au début, là, celle qui a sorti, c'est elle qui avait vu que j'étais sorti, c'est elle qui était fâchée. Je vais mettre la malédiction sur vous, il allait souffrir. Comme je suis sorti, il allait souffrir. Je n'ai rien compris. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis quelque chose dans ma bouche et j'ai mis malédiction sur lui. Quelle chose t'as mis dans ta bouche? Quelle chose t'as mis dans ta bouche? C'est une feuille. Une feuille, oui. T'as mis, t'as fait quoi? Génial, mais j'ai écrasé, j'ai mis ça dans ma bouche. T'as fait quoi? J'ai écrasé avec la main quand j'ai fait ça. Tu as écrasé? Avec la main. Uh-huh. Et puis tu as fait quoi? Et puis quand j'ai prononcé la malédiction, c'est agi sur lui. Tu as dit qu'il ne faut pas, ils vont travailler. Ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas souffert. Ils me traitent pour une sorcière. Ah, oh, laisse ça faire, ils me traitent. Mais tu es sorcier? Je connais. Quand tu es sorcier, on te dit que tu es sorcier? Ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas souffert. Et comme ça, tu es content. Donc, je regrette. Mais arrête, t'as fait de regretter. Tu es contente? Oui. Parce que les gens souffrent. Les sorciers là, ils sont comme des mazos. Ils aiment bien voir les gens souffrir. Plus tu souffres, plus ils sont contents. Ils sont contents. Ils aiment voir les gens dans la douleur, dans la souffrance. Ils sont méchants. C'est ça? Hein? Oui. Tu es content quand tu les vois souffrir. C'est ça? Oui. Tu as fait quoi encore? C'est vrai. J'avais fait tout de même. Je disais, j'avais dit un jour, j'avais fait Kaolin. Puis on mettait sur les élèves, traverser ça. Et j'ai dit à l'école, Kaolin. Oui. Le coco, c'est là. Oui. Avec Achille. Oui. Si on met ça, si tu mets ça sur la route. La route du village. Voilà. La route du village. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un élève qui va à l'école, qui traverse, il vient s'asseoir après, il va plus. Ah, donc quand vous mettez ça. Et puis un élève qui est au village, il traverse, il va plus, il n'a plus envie d'aller au village. Il reste. Il n'a plus envie d'aller à l'école. Ah, il n'a plus envie d'aller au village. Ah, ok. Il veut que le village soit grand. Quel grand comment? Comme si, comme une maison. L'arrière, c'est feuille. Là, il y a les arbres au village. Donc ces arbres-là, on prend pour construire les feuilles des arbres-là. On fait quoi pour voir l'argent? Donc vous voulez que les gens souffrent? Hmm? Et vous êtes nombreux là-bas? Oui. Vous êtes nombreux? Vous êtes beaucoup. Vous pouvez atteindre combien? Hein? Vous pouvez dépasser 100. Des sorciers? Non, je ne suis pas des sorciers. Vous. Tu savais que tu allais dire ça? Non, je ne sais pas. Non, je te connais. Est-ce que c'est pas maintenant? Moi, je connais ça, le travail là. Tu n'as jamais dit voici. Je ne bouge pas dans les villages. Il est mort. Mais c'est pas lui, c'est maintenant, quand quelqu'un est mort, on le remplace pas. On le remplace pas. On le remplace, mais maintenant, ils ont fait l'envahir. C'est de maille, je dirais, donc ils ont fait. Hein? Mais toi, tu étais dedans, non? Oui. Malgré ce qu'ils ont envoyé là, toi, tu étais dedans, non? Oui. Non, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur. Après, ils ont eu peur, parce que les gens mouraient. Hein? Pardon, faut pas me distraire. T'as compris? Faut pas quand j'entends parler, t'as pas juste ton camarade. Je t'ai bien dit ça ici, je sais qui tu es. Faut pas jouer cette histoire-là. C'est parce qu'on n'est pas encore arrivé dedans, mais vous êtes nombreux, c'est ça, non? Ils sont là, vous êtes nombreux. Oui. Hmm? Oui. On fait comment? Mm-hmm. C'est ça? Mais ton pipi là, tu prends ça pour gâter le champ des gens, tu prends ça pour détruire les gens. Pipi que tu as là. Pipi. Oui. Oh. Non, faut pas dire. D'accord. C'est faux ce qu'il dit. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Mais tu n'as pas dit ça.
Tu as parlé, mais tu n'as pas dit ça. Je te demande. Tu as dit. Mais pourquoi n'as pas parlé ça? Et pourquoi? Hein? Tu as oublié ça? Oh, c'est une âme. Toi-même disais que tu utilises ça beaucoup. Ton fils qui est mort là, qui l'a tué? C'est ça, la dernière fois. Mais tu n'as pas dit ça ici. C'est moi. Donc, j'ai qu'à poser une question pour qu'il parle. Et puis, t'as demandé, t'as dit non, c'est le monsieur là. Moi, je le vois, c'est moi qui ai dit. Hein? Mais c'est si lui, tu devais commencer. Comment tu l'as tué? Hein? Palu. Donc, vous donnez maladie aux gens? Palu. Tu as mis palu comment? Dans les maladies, là, il n'y a pas. Oh, vous pouvez donner maladie à quelqu'un? Vous pouvez donner? Comment faites vous les sorciers? Tu as fait comment? Fait là, ça m'intéresse, hein? Comment tu fais? Non, la feuille, c'est où? C'est où ça, la feuille, là? Allez, arrête tes conneries, là. C'est en brousse. Donc, tu vas, tu cueilles, et puis tu parles. Et tu dis quoi? C'est que tu dis, si tu mets la couche, c'est que tu dis, c'est ça, là, ça va, c'est passé. Dis, ça, c'est passé. Quand tu dis, faut tomber malade, la maladie vient. Et puis quand il meurt de maladie, vous partez le manger. Tu l'as mangé, ton fils? Tu l'as mangé? Tu l'as mangé? Ah. Il était doux? Hein? Bien doux? Quelle sauce? Quelle sauce? Gna gna encore. Mais pourquoi tu varies pas les choses? Gna gna. Quelle partie t'as mangé? La cuisse. Ah! Là maintenant, ça t'a mangé vrai cher. Elle a mangé gigot. C'est cuisse que t'as mangé. C'est combien de jours? Non, non, pour toi. On t'a donné cuisse, non? T'as mangé combien de jours? Deux jours. T'es dangereuse, hein? Gigot en deux jours. Et tu trouves quoi quand tu fais ça? Tu gagnes quoi? Et quand ton fils est mort, tu as pleuré? Tu disais comment? Pourquoi tu pleurais? On te demandait pardon. Maintenant, la vie est pardon. Faut pas te tuer, pardon. Oh, tu as mangé Jugo. C'est bête la sorcellerie. Hein? La vie est bien rassasiée, elle est bien gbée. Le sauce, il gagne. Elle vous insulte quand vous venez demander pardon. Elle dit, mais moi, il y a moyen pour moi. Il y a déjà moyen pour moi. C'était doux. Donc quand vous voyez les gens, quand vous les voyez en poulet, lui, tu l'as transformé encore, il est encore bien manger. Il est, tu l'as transformé encore pour le manger, ton fils. Non, le sorcier transforme d'abord en mode. C'est plus dangereux que tout ce qu'on entend de regarder. C'est plus dangereux que bombe atomique, arme nucléaire, tout ça, c'est dangereux. Tu manges avec quelqu'un, tu dois lui, il est en train de boire son sang. Matin, tu vas à l'hôpital, dis monsieur, ah, on comprend pas, mais vous n'avez plus de sang dans vos corps. Oh, la vieille Abibi Sap. Elle te regarde comme ça, dit, mais lui, il a son sang, là, ça doit devenir. Hein. Il y a longtemps, il y a bu vin. Et tu dors. Quand vous dormez, vous avez l'impression que quelqu'un vient sur vous. Et vous vous repoussez là. C'est un esprit de mort. Commencez déjà à chercher à faire vos délivrances. La chose vous étouffe, n'est-ce pas? Et puis la chose vous étouffe. Ah! Cherchez à faire vos délivrances. Voilà. Cherchez à faire. C'est une présence de la sorcellerie dans votre maison. Cherchez à faire votre délivrance. La vieille. Tu l'as bien mangé. Maintenant, ton pipi, là, tu fais quoi, ça? Yeah. Tu connais pas ce qu'on appelle pipi? Comment tu fais? Hein?
Moi, je connais beaucoup de choses sur toi. Non, tu gâches ça. Parce que nous, tu as vu. Beau champ, là. Il y a les. Et pisse ton champ. Tu pisses. Il te demande. Oui. Et tu as gâté quoi et quoi? Champ de qui? Hein? Tu as oublié? Et puis, tu allais pisser. Elle a oublié qu'il larme là. Âme qu'elle a là, c'est pour tout. Donc tu as oublié puis d'aller pisser chez toi. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit bon. J'avais envie de pisser puis je suis allé pisser. Tu fais comment? Ta fille qui est en Suède là, tu as gâté quoi dans sa vie? Tu as gâté quoi? C'est elle qui m'a gâté. Oh. Tu l'as pas gâté? Voilà. Tu dis que tu as gâté tous tes enfants, c'est ça? Oui, c'est comme j'ai mis, c'est ça qui est juste là. Mais... Donne-moi ma réponse. Tu as gâté quoi dans sa vie? Elle a jamais fait une maison. Ça veut dire quoi? Là, tu vas à Suède, tu viens, tu fais une maison. Elle a jamais fait ça. Donc, cela vient de moi. Hein? Cela vient de moi. Faut pas jouer mon esprit. Faut dire ouvertement, voyez ce qu'il a fait. Faut pas dire quand tu vas à Suède, tu viens faire maison. Dis-moi, voici ce qu'il a fait dans sa vie. Voyez ce qu'il a fait dans sa vie. J'ai gâté sa vie. Comment? Tu as gâté quoi et quoi? Tu n'as pas fait quelque chose de bon. Hein? Tu n'as pas fait quelque chose de bon. Ça veut dire quoi? Donc tu es ici, tu vas en Suède. Non. Tu es ici, tu vas en Suède, c'est ça? Tu l'as su de près, c'est ça? Elle vient. Qu'elle vient comment? C'est toi qui vas là-bas, c'est pas elle qui vient ici. Elle qu'elle vient, elle gagne rien. C'est toi qui allais vers elle pour la gâter. On t'explique son scellerie en train de rencontrer des bêtises. Tu es venu peut-être délivrer. Oui. Tu viens délivrer. Oui. Donc il faut dire clairement ce que tu as fait. Il ne faut pas laisser moi je parler à ta place. Quand tu vas derrière elle, tu fais quoi là-bas? Elle a gâté. Comment tu arrives là-bas? En avant. Tu t'envoles. Tu as les ailes. Combien de temps tu fais pour arriver là-bas? Tu vas là-bas à quelle heure? La nuit. À quelle heure? Minuit. Puis tu arrives à. Tu fais une heure ou deux heures ou 30 minutes. Si la vie arrive, 6 heures du matin aussi là. 6 heures du matin aussi là. Elle dit quoi? 6 heures du matin aussi là. La l'heure où j'arrive là. Tu es malade ou bien? C'est pas Air France, tu es malade. Toi, tu as fait la même chose qu'Air France. Pour arriver à truc. Pourquoi tu ne prends pas Air France, Patrick? Air France a fait 6 heures du temps pour arriver à Paris. Quand tu quittes Abidjan ici, là, tu fais 6 heures dans l'avion. Voir avion, là, c'est 15 minutes ou 10 minutes. Toi, tu as me dit non, tu as fait 6 heures du temps. Pourquoi tu ne prends pas l'avion Air France, Patrick? Je suis en train de te délivrer. Hey. Je connais pratique de sorcellerie. Quand on s'envole là, c'est 10 minutes ou 15 minutes. Or toi tu fais 10 minutes pour arriver en Suède. J'ai pas fait de 10 non, je suis à 6 heures. Toi, et puis toi, t'es 6 heures, tu es malade ou bien. C'est plus sorcellerie. Le temps n'existe pas chez vous. Ça t'avait 6 heures en l'air comme ça, 6 heures du temps. Faut prendre Air France. Non, il n'y a pas de 6 heures du temps. Il y a 6 heures, on peut y arriver. Ah, tu dis que tu vas de minuit à 6 heures. Tu n'as pas de minuit? Si. Ma tête, j'ai calculé. Hein. Ce n'est pas de l'eau qui est dedans. Quand tu dis minuit, là, tu as 6 heures du temps. Je calcule. Oh, c'est faux. C'est 10 minutes. Sinon, tu allais prendre l'avion si vous partez. Ou bien, je suis en train de te fatiguer. Je te fatigue. Mais pourquoi tu dis pas la vérité? Hein, ce que j'ai dit, c'est vrai. Mais pourquoi tu mens? Ou bien de toi à moi qui dois dire la vérité? Qui fait sorcellerie? C'est toi qui fais sorcellerie. Mais je vais te délivrer et puis tu me mens. Non, Mathieu, je me délivre, mon père.
Hein? Mais tu me fatigues? Comment tu peux t'envoler avec un mini gars 6 heures? Il faut revenir chez nous ici, bien. Quelque chose assez fatigue. Tiens, allez et tout. Tiens là. Puis tu reposes. C'est plus sorcellerie dans tes défaits. Aïe. Pas prêt, hein, France? C'est beau. C'est ça. Ça pose ce qu'il dit là. C'est vrai. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Quand tu loues ton avion, quand tu t'envoles, c'est 10 minutes. Quand tu loues avion, c'est 5 minutes. Il y a avion là-bas, quand tu loues ça, ceux-là, ils doivent travailler Boeing. Oui. Ils doivent travailler Boeing. On doit mettre dans le moteur pour rendre ça rapide. Je connais très bien. La société, c'est une science. Ils ont tous les services de formation. Ce que vous faites là, ils vous mettent ça. Tu es dans ta chambre, tu vas aller parler à ta femme, non, ne dis personne. Hein. Non, c'est fini. C'est dur. Faut pas dire à quelqu'un, hein. T'as compris, elle dit oui. Oh, la vie a dit ça dans ses oreilles. C'est pas maintenant que je vais construire. On bloque ça en même temps. Ça va? Donc, tu vas en Suède? Comment? Ouais, monte, monte. Et tu arrives là-bas? Hein? Et tu fais quoi? Tu fais quoi là-bas? Comment? Je n'ai pas évolué. Mais explique. Il y a beaucoup de manières de ne pas évoluer. Explique. On gâte l'argent, on gâte le mariage, on gâte beaucoup de choses. Il faut expliquer. Elle est mariée. À qui? Il est marié, il a mis bague. Il est venu te voir pour mes bagues. Elle est mariée. Elle est venue me le présenter. Elle dit quoi? Elle est venue me le présenter. Et puis ils sont toujours ensemble. Ok. J'avais pitié de lui. Et tu as gâté quoi? Ouais. Oui. C'est d'elle qu'on est en train de parler. Quand tu te lèves ici, là, ou t'envoler là, tu vas là-bas, là, c'est pour quoi tu fais? Quoi faire? Ah ok. Tu prends son argent. Comment tu fais? Non, où c'est elle l'argent là, elle? C'est toi qui connais. Et tu prends ça? Comment? Je prends la moitié, je lui laisse aussi. Tu es gentil alors? Tu prends la moitié puis tu laisses la moitié. Et tu mets l'argent là où? Je viens manger. Comment? Mais pourquoi tu n'avais pas fait ça pour ta fille là? Et puis tu l'envoyais en prison. Toi, tu sais prendre l'argent. Et puis ta fille, là, elle travaille dans la banque. Au lieu de prendre l'argent, tu l'envoyais en prison. C'est ça, j'ai fait, depuis que je regrette maintenant. Quand j'ai fait, je regrette, je vais aller au bus m'envoyer pour que je sois délivré. Où est sa fille, là? Viens. Tu as dit que tu as mis au monde. C'est elle-même qui vous a dit de l'envoyer ici. Elle a dit à ma grand-mère qu'elle cherche un monsieur pour la vie, qu'elle est l'esprit et qu'elle est consciente. Moi, c'est pour ça que ma grand-mère a dit. Ok. Maintenant, quand on est venu là, pourquoi tu n'as pas dit? Tu as eu peur? Comment? Non, comment? Je suis docteur. On ne doit pas avoir peur des docteurs. Oh, moi, j'étais le premier à attaquer hier la nouvelle pour dire. Il y a docteur et puis il y a docteur. Oh, moi, mon piqui là. Piqui qui est piqui là, ça fait pas mal. Hein? C'est ça, j'ai eu peur. Et comment? T'as eu peur comment? C'est moi-même qui a demandé de m'envoyer sur le radio. J'ai peur. Et pourquoi? Tu voulais pas laisser? Je suis jamais venu ici, c'est ça, j'ai eu peur. Non, tu ne donnes pas la vraie raison. Pourquoi tu as eu peur? Dit, tu as essayé un peu. Non, j'ai dit il y a docteur, il y a docteur. Donc quand j'ai dit j'ai eu peur. De quoi? De vous. Et pourquoi? Parce que c'est seringue, il y a plus fort que le mot. Ma seringue. Donc ça veut dire que tu as essayé. C'est ça? Oui, non, quand tu dis ça là, dis ça. Et écoute, moi je te regarde. Il y a plus de 10 ans de travail dans ça.
J'ai fait le nord, j'ai fait l'est, l'ouest, moi. C'est pas de l'orgueil. Mais où on me jette tout de suite. 600 000 vont sortir. C'est le don que j'ai reçu de la part de Dieu. C'est le don. J'ai vu les plus grands sorciers. Oh, on a peur de vous aider. Donc quand il est sorti, il dit, j'ai eu peur. C'est qu'il a essayé pour nier. Ta bouche l'a fait. Quand un sorcier dit, j'ai eu peur, c'est que tu essaies. Il n'y a pas un sorcier sur la terre qui va quelque part où il ne sait pas. Il y en a. Attends, il y en a. Il y a un sorcier qui ne sait pas. Vous les sorciers, quand vous partez, vous essayez toujours. Même si la personne doit t'aider, tu l'essaies quand même. C'est quand tu perds sa puissance, maintenant ça te désarme. Et puis maintenant tu te rends. C'est pas ça? Hein? Non, laissez-la répondre là, voici. Hein? Donc quand tu as dit tu as eu peur, c'est que tu essayes, n'est-ce pas? Oh. Toi, tu m'as pas dit que tu es assemblé de Dieu. Tu m'as pas dit ça. Faut laisser faire d'amusement là. Non, tu sais bien que si tu dis pas des choses que tu t'amènes, c'est pas bon pour toi. Hein? Tu essayes, ça va marcher, c'est ça? Il n'y a pas un sorcier qui vient dans un endroit, quelle que soit sa sorcellerie, qui n'essaie jamais. Même si c'est petit, il va essayer. Petit, quand tu es venu là, tu as vu quoi ici? Le feu. Et avec le feu. Moi, là, souvent, il prie toujours Dieu. C'est pas une alliance avec Dieu. Sinon, vous les sorciers là. Ce n'est pas un travail ça. Toujours, on est exposé. C'est comme quelqu'un dans la police, un gars de la PJ, il sera toujours. Les gens vont chercher toujours, chercher comment faire pour le tuer. C'est comme ça, vous les sorciers. Comme moi, avant de venir là, je sais ce que j'ai fait comme prière. Chacun connaît la grâce. Ah. Vous ne pouvez jamais me tuer. Ça, je le dis parce qu'il y a Jésus. Qu'est-ce que tu veux? De quoi? Hein? Si tu mets quoi? Si tu continues à pratiquer. Et ton groupe là, tu les laisses? Hein? Non, je demande. Et ton groupe? Ils m'ont dit, mamie, viens manger. Je ne mangerai plus. Et pourquoi? Ils m'ont dit, mamie, crédit là. Tu nous dois. Tu vas t'emmerder. Crédit, tu nous dois là. Il faut venir rembourser. Tu fais comment? Je suis en Christ. Faut laisser faire des gestes en Christ. Si je suis avec vous, vous allez me délivrer. Ils ne vont plus venir m'agresser. Hein? Ils ne vont plus venir m'agresser. Si vous me délivrez. Tu dois combien là-bas? Comme ça, on va briser le crédit. Tu dois combien? Si tu as dit ça et te délivrer, tu dois combien? Combien de viande? De viande. Ah, merde. Le caméraman est tu dois. Tu as pris crédit de qui? Là-bas, là, c'est une tontine humaine. Hein? Je suis assis là, tu as marié mon papa. Hein? Tu es en train de marier mon papa. Tu as marié mon fils. Ah, c'est en tout. C'est peut-être là que j'ai mangé, puis venir manger devant toi. Tu dois deux. Mm-hmm. Deux crédits. Mm-hmm. Comme pourquoi c'est deux? Faut lui expliquer crédit là. Quand il va envoyer pour la manger. Deux fois. Deux personnes. Deux personnes. Manger, donc je voudrais que j'envoie pour toi. Non, arrête ça. Tu es sorcier, toi tu peux quitter toi seul dedans. C'est Dieu seul qui va t'aider. C'est ça. Alors, toi-même tu peux laisser faire des viandes. Non, il y a dit Jésus. Donc tu as mangé deux. Tu as mangé les viandes. Oui. Deux. Oui. Il dit de t'embousser. Oui. Hein? Oui. C'était deux. Oui. C'est femme, garçon, tout ça. C'est quoi? Deux garçons. Oui. Il faisait quoi? Il faisait quoi? C'est ça, on vient des planteurs. C'est des planteurs. Oui. Et que vous avez mangé. Mmh. Je peux avoir le nom? Vous brisez le crédit. Mmh. Hein? Mmh.
Michel et puis Claude. Michel et puis quoi? Claude, ma petite personne. Oui, comment tu les as mangés? Non, c'est leurs parents qui les ont donnés. Oui, mais quand on donne, là, c'est que toi, on met ta caisse crédit, là, c'est que tu as mangé une bonne partie. C'est pas toi qui gorge là-bas? Non. Dans la confrérie, quand il y a femme, c'est elle qui gorge. C'est mon travail. Mamie, quand tu me regardes là, je ne vois pas clair. Si. Hein? Si. Non, je te demande. Quand tu me regardes là, tu sais, je ne sais pas ce que toi tu as fait. Si. Hein? Je connais. Alors. J'ai fait exprès pour te demander si tu veux vraiment parler. Sinon, je sais ce que tu as fait. Quand dans la confrérie, il y a une femme comme toi, c'est la plus dangereuse de la confrérie. C'est pas ça? Hein? Si. Tu as vu que tu es en train de jouer à nous? Tu as tué les parents. Tu as maillé la tête, il t'a maillé le cœur. Maintenant, dis de rembourser. Hein? Tu n'as plus de dents comment? Mais tu n'as plus de dents comment? Donc tu les as doublés. Comment dire, doublés, non? Tu as mangé pour eux. Maintenant, tu viens d'être dans Jésus. Tu viens te cacher dans Jésus. Hein? Ton Dieu, tu as un Dieu qui te protège. Tu as un Dieu. Jésus. Depuis quand il est ton Dieu? C'est maintenant que tu vas l'accepter. Vas-y, toi, tu as une fois eu Jésus. Tu as mangé deux crédits des gens. Hein? Leurs parents, tu les as mangés, c'est pas ça? Mmh, c'est ça. Mais là, tu veux quoi? Je les délivrer. Mmh. Pourquoi? C'est plus dans l'air. Maintenant, elle est crédit, là. Et les gens, tu as mangé. C'est plus dans l'air. Hein? Elle m'a déjà mangé pour nous. Hein? Elle est ma soeur. Non, non, non. Non, 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 non. S'ils t'encaissent, ceux qui n'ont pas encore mangé quelque chose. S'ils t'encaissent, ceux qui n'ont pas mangé. Ça se dérive, non, connaît ça, tu peux fatigué. Si tu encaisses, tu n'as pas encore mangé. Toi, maman n'est pas prête à dire beaucoup de choses. Je suis prête, mon père. Hmm? Je suis prête. C'est à cause de lui, j'ai couru, je suis prête. À cause de rembourser crédit, là. Il y a ça aussi, aussi. Non, non. Il y a ça aussi. Tu ne veux pas rembourser crédit. Je ne suis plus dans la groupe. Hein? Mais tu as mangé, non? Oui, j'ai mangé. Je n'ai mangé le fil encore. Je suis prêt à me délivrer, ça fait de là, il y a couru pour venir chez vous. Elle a mangé le mouton des gens. Hein? Tu as mangé le mouton. Mmh. On te demande maintenant pour toi et tu ne veux pas. Et tu veux te donner à Jésus. Mmh. Jésus, là, on ne le trompe pas. Hein? Non, jamais. Je n'ai jamais trompé Jésus. Mmh. La bouche des sorciers. Tu es sûr? Je ne peux pas trouver Jésus. Hmm? Je suis sûr. Je peux jurer. Si vous voulez, et vous te dites, c'est un sorcier. Je jure. Vois-tu n'a qu'à me. Oh, vois-tu là-même, là, eux-mêmes, là, ils mettent de l'accident. Non, je ne joue pas ici. Hmm? Il faut être sincère, c'est tout. Il faut être sincère. C'est tout. Dieu est là, on ne joue pas. Ton oui doit être oui. Ton non doit être non. Le reste, tu ajoutes là. Ce n'est plus de la Bible. Sinon, tu dis, tu as juré là, ça, c'est rien. Jean te donne montre viande, tu ne vas plus manger. Hein? À une bonne sauce, gna gna. Pour dire la vieille, a fait deux jours, tu n'as pas encore mangé, tiens. Hum? Tu vas laisser les enfants. Tu vas libérer. D'abord une bouteille d'huile. J'ai une bouteille. Mais tu sais que les enfants, c'est une richesse, non? Avoir des enfants, c'est une richesse. Hein? Voilà. Donc, en principe, tu ne dois pas être devant nous en train d'être humilié comme ça. C'est le diable. C'est le diable.
Tu vois comment tu as servi. Vraiment, il avait quoi? Il m'a entraîné, vraiment. Il avait quoi? Il m'a entraîné. Quand il mangeait, c'était pas doux. Quand il mangeait, viande là, c'était pas doux. Tu dis qu'il t'entraînait comment? C'est lui qui met ça dans ta bouche. Je vais ramener ça sur le diable. Oh, quand il mangeait, sauce gnagnan là, c'était diable. Ça rentrait dans la bouche des démons. Quand il mangeait, sauce gnagnan là, ça rentrait dans la bouche des démons. Alors, c'était pas doux. C'est démon là qui mangeait. Prends l'huile. Hein? Si les enfants là sont venus là, qui gagne? C'est moi. Toi, c'est ta soeur qui t'intéresse. Mangez cuisse. Mangez bras. Bois le sang. Si les enfants sont bénis demain, qui sont mariés, c'est ton nom. Dans le village, là, ils vont parler de toi. N'est-ce pas? Oh, tu sais, prends l'avion, tu t'envoles. Comment tu fais? Comment tu fais pour t'envoler là? Hein, frère? 10 minutes, tu es parti. Hein? C'est malheureux de comprendre que la personne qui nous a mis au monde, celle qui est la base de nos problèmes. Hein? Or, toi-même, tu les regardes et tu sais que c'est toi qui as fait ça. N'est-ce pas? Et tu peux rien dire. Tu vas en Suède. Tu ne cherches même pas l'ambassade de Suède. Elle-même la visa. Ça va. Mais si elle reste en ambassade, la vie est toi-même là. On ne donne pas de visa. On te refuse le visa. Oh, tu connais Suède. Hein? Tu connais? Elle connaît Suède. Oh, toi tu cherches à aller là-bas. Oh, elle va là-bas toute la nuit. Tu connais là-bas? Hein? Tu connais là-bas? Tiens. Il faut commencer à verser le nom de tes enfants. Et puis tu verses un peu. Ça, c'est important. Hein? C'est la partie importante dans tout ce que je suis en train de faire. Comment ils s'appellent? Je dis, mais elle voulait payer Abidjan, elle n'a pas payé sa maison. Qui? Tu parles de qui? Clarisse. Mm-hmm. Tout ce qu'elle cherche là, elle n'a pas voir ça. Elle n'a pas voir l'argent. Ma fille Sabine. Sabine qui suit Clarisse. J'en ai dit que tu es à Dakar. Je baisse ce qui là, au nom de Jésus, oui. Au nom de Jésus. Il y en a qui n'a pas travaillé. Tout ce qui se fait, c'est l'attaquer là-bas. Il n'a pas à voir ça, il n'a pas à voir tout le travail. Pour me donner aussi à manger. Ah, je donne à manger. Voilà un qui a ce super-ci ici. Hein? Ange Guigui. Mm-hmm. Voici, je fais cette île à côté d'Ange Guigui. Il n'a pas réussi. Tout ce qui se fait, il n'a pas à voir, il n'a pas à voir l'argent. C'est lui-même qui me fait piquer, il n'a pas à voir l'argent. Tu l'as gâté. Il n'a pas oublié de quoi. Tu l'as gâté, c'est ça? Il te fait pitié maintenant. Sinon tu l'as gâté. De quoi manger? Donc sinon tu l'as gâté, maintenant oui. Il te fait pitié. Ils font pitié, mes enfants me font pitié. Sinon tu les as gâtés, c'est ça? Ok. J'ai dit que Ange, il n'a qu'à être riche, ce qui cherche de sa fille, il n'a qu'à voir ça. Il n'a qu'à enlever sa mère dans le coutoukou. Voici Christelle. Quelqu'un qui avait perdu son travail. Depuis là, elle a fait de pleurer auprès de maman, je suis sûr, c'est elle qui m'appelle dans le portable tous les jours pour me donner des conseils. Maman, il faut aller sur les prêts, tu vas parler. Donc, pour qu'on soit libéré, il faut aller sur les prêts, tu vas parler, pour qu'on soit libéré. Elle me fait pitié. Ma fille, c'est toi qui as gâté le travail. Oui. Ma fille, elle me fait pitié. Donc elle m'appelle tous les jours, je suis sûr, tous les jours, on a fait de pleurer, puis elle m'a appelé. Mmh. Maman, il faut la libérer. Va voir après, je vais nous libérer. C'est ça, je suis venu. Simplement, je libère ma fille. Amen. Elle n'a qu'à voir du travail. Amen. Elle n'a qu'à travailler. Mmh. Elle n'a qu'à voir l'argent. Mmh. Elle a quatre enfants pour s'occuper de ses enfants. Je vais te donner aussi. Je vais donner à ma vie. On va faire l'argent. On va travailler. Hein? Amadine, c'est celle qui est la dernière. Elle avait son mari. Hein? Son mari n'a pas travaillé. Elle-même, elle n'a pas avoir du travail. Elle n'a pas travaillé aussi pour s'occuper de son enfant. Dieu aime les orphelins. Je mets la vie dans la main de Jésus. Et Dieu aime quoi? Les orphelins. Tu peux citer ce qu'il doit avoir? Il n'a pas. La Clarisse. Non, cite-le. Il doit avoir quoi? Bénédiction de quoi? Elle veut payer maison.
L'argent pour payer maison. Il laisse maintenant son argent. Tu vas plus aller en Suède pour voler. Tu vas plus aller en Suède. Non, jamais. Tu vas plus là-bas. Jésus va couper mes ailes. Non. Le jour où tu vas là-bas, tu meurs. Tu prends la route là. Ça te faudra, tu vas mourir. Et puis un requin va te manger. J'ai dit, quand tu vas vouloir t'envoler là, tu seras foudroyé et puis un requin, tu iras dans la bouche d'un requin. Amen. Et tu te croques. Maintenant ici, amen, sur la terre ici, on va te voir bizarre, maladie bizarre sur toi et puis tu meurs. Et le jour tu meurs, il n'y a pas funérailles. Hein? Amen. Faut dire oui d'abord après de Jésus. Il n'y a pas funérailles. Les sorciers n'aiment pas ça. Hein? Il n'y a pas de funérailles. Aïe, tu dis rien. Ah, c'est ce qu'il veut que tu reconnais. Il n'y a pas de funérailles. Ok. Vers. Ce que tu as dit là, c'est dangereux pour toi. Hein? Je suis d'accord. Ok. Mais celui aussi, il prend la figure. Non, là, on ne va plus prendre celui-ci. Tout ce qu'ils cherchent, on n'a pas à voir ça. Ok, je veux te bénir, Seigneur notre Dieu. Au travers de cette action, je proclame ta puissance, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. C'est la vie au nom de Jésus, des enfants de cette dame. J'ouvre les portes de grâce et les portes de bénédiction. Et que ta main soit maintenant manifeste dans leur vie. Je brise les chaînes de la pauvreté. Et je brise toutes les œuvres des ténèbres sur leur vie. En proclamant ta puissance et ta seigneurie. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Demain, je vais prier pour ta délivrance. Et on va te libérer. Le jour où tu retournes à la sorcellerie, tu l'as bien dit. Quels sont ceux qui ont besoin d'être